Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien en cette journée de mercredi, très ensoleillée ici chez moi. Voilà, j'espère que ça va durer. C'est hyper agréable, voilà, d'avoir un beau soleil comme ça donne un moral d'enfer. Voilà, de plus, c'est l'entrée du printemps demain, donc c'est l'arrivée du printemps, c'est l'entrée aussi du signe du bélier demain. Donc dans l'astrologie, donc voilà, moi étant de ce signe-là, voilà, je me sens, wow, je me sens pousser des ailes. Il y a comme une effervescence là qui bouillonne là, je sens, c'est voilà, c'est magnifique. Donc écoutez, là aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit tirage sentimental. Alors, sans vraiment trop te poser de questions, à savoir si vous êtes célibataire, si vous êtes séparé, si vous êtes en couple, mais juste prendre un peu la température, voir voilà, ce qui vous préoccupe, voir voilà, ce qu'il en est dans la relation. Ou en tout cas dans la relation avec votre autre, hein, peu importe si vous êtes séparés ou si vous êtes ou vous vivez sous le même toit. Là, j'ai envie de voilà de faire un petit peu comme ça me vient. Alors, bon, je vais tirer quelques cartes. Et on va voir un peu de quoi ça me parle. Donc pour le sentimental. Alors. Je mélange bien les cartes. Un peu le vide dans ma tête, un peu le vide autour de moi, un peu le vide dans mes pensées. Je me concentre pour vous. Le sentimental pour vous tous qui regardez la vidéo. Une dernière fois, je vais couper. J'ai la carte de l'homme encore, donc soit un homme est présent à côté de vous. Alors, vous transposez bien sûr si vous êtes un homme. Voilà, c'est vous transposez hein, vous, en fonction de votre situation. Ici, il y a bien un homme à vos côtés. Un homme auquel vous pensez. En tous les cas, il y a la présence d'un homme. Ici, la présence d'un homme. Avec le jardin. Donc le jardin qui évoque les sorties, les fêtes, les entrevues, les rendez-vous, les réunions. Qui évoque les promenades. Qui évoque... la société, le public qui évoque voilà, le fait peut-être de partager des moments de plaisir ensemble, de se retrouver pour des soirées, de partager voilà, des sorties, de partager voilà, les choses, des choses agréables en tous les cas, où il y a du monde, où il y a du passage, où on peut voilà, passer en tous les cas des bons moments. Donc voilà pour la coupe. Alors, je vais choisir 5 cartes. Donc pour le sentimental, s'il vous plaît. Pour le sentimental. On va mettre celle-là
Et on y va. Donc pour la première carte, j'ai la carte, vous voyez, de la femme. Alors, ici, de la femme. Donc, ici, on a bien le couple. Alors, là, j'ai l'impression, ici, quand je regarde, cette femme a de belles choses à offrir, de très belles choses à offrir, tout son amour. J'ai l'impression qu'elle est vraiment ouverte. Voilà, elle a son livre près de son cœur. C'est comme si elle était prête à vous délivrer tout ce qu'elle a dans son cœur, tout ce qu'elle a de plus joli dans son cœur. Tout l'amour dont elle est capable de, qu'elle est capable d'offrir. Et voilà, elle regarde vers cet homme. Elle regarde vers cet homme qui lui aussi a cette rose. Mais j'ai l'impression que lui est un peu plus... Alors, il est tranquille, assis sur sa chaise. Mais j'ai l'impression, voilà, qu'il ne regardait pas pour l'instant dans la même direction. Cet homme a de très belles choses à offrir aussi. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne regardez pas trop dans la même direction. Pourtant, vous avez un visage assez, serein. Voilà, vous savez, cet homme est dans votre cœur. Cet homme est dans votre cœur. Vous êtes tout plein de tendresse pour lui, tout plein d'amour. J'ai la sensation, voilà, que vous savez que c'est lui, que c'est l'homme de votre vie, hein. Mais lui, pour l'instant, est un petit peu tourné dans ses réflexions. Je pense qu'il, voilà, qu'il a peut-être des choses à faire mûrir encore, même s'il a cette rose à vous offrir. Je pense qu'il a encore des choses à régler. Mais voilà, en tout cas, le lien est là. Le lien est là, même si lui, pour l'instant, n'est pas toujours emprunt à vous annoncer ou vous donner ce que vous voulez. Mais voilà, en tous les cas, il y a un lien très fort. Je sens comme une sorte de sérénité, une sorte d'apaisement aussi. Quand vous le regardez, vous êtes... pleine d'espoir, pleine d'amour, pleine de tendresse pour lui, alors que lui est un petit peu plus peut-être sur la réserve, un petit peu plus tourné pour l'instant vers ce qui le préoccupe le plus. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais faire comme ça. Voilà, on a vraiment cette femme et cet homme. Alors, juste en dessous, on a la carte des blocages. Hein. Peut-être qu'il y a un petit peu pour lui. Ah, attendez, je vais éteindre. Excusez-moi, je reprends. J'ai dû éteindre ma musique qui s'est mise tout d'un coup là à se mettre en route. Donc oui, je disais, sous sa carte, là, on a quelques blocages, quelques difficultés. Alors, peut-être qu'il est en train de vivre... en fait qu'il a envie de vous atteindre, mais pour l'instant voilà, qu'il a envie de vous rejoindre, mais pour l'instant il y a des choses qui bloquent. Alors on aperçoit quand même derrière, on aperçoit quand même derrière le beau ciel qui se dégage, hein. Donc il y a vraiment, alors pour moi je dirais que c'est pas insurmontable, mais qu'il y a quelques petites choses à régler. Alors là j'ai la carte de l'enfant, peut-être que c'est par rapport à des enfants, hein. Par rapport à des enfants ou par rapport à son travail. Mais j'ai la carte de la chance, donc de quelque chose qui, voilà, qui se débloque. Il y a quelque chose qui... Là, on annonce une joie, un bonheur. Voilà, vraiment une chance. Une chance. Donc, voilà. Là, vous êtes pour l'instant tourné vers lui. Votre cœur est... Je dirais que votre cœur est pour lui. Voilà, vous savez, pour moi, vous êtes sereine face à lui, vous êtes,
J'ai l'impression, voilà, le lien, il est là de toute façon. Il est là, le lien. Il est lien. Il est là. Pardon. Petit lapsus révélateur. Voilà. Donc, on va tourner la deuxième carte. On a encore cette carte des du jardin. Donc, la carte du jardin, c'est vraiment pour l'instant. Alors, voilà, je dirais de profiter de la vie ensemble, de profiter des sorties, de profiter de ce que, pour l'instant, la vie a de meilleur à vous offrir. Attendez, je vais, voilà, je vais reculer un petit peu le pied de mon appareil, là, pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, profitez vraiment des soirées, si c'est, je sais pas moi, pour aller au cinéma, des endroits où il y a du monde, aller à des concerts, peu importe, faites-vous plaisir ensemble. Ou alors, pendant que lui, il est occupé, vous, ne vous coupez pas du monde. Pendant qu'il résout ses petits soucis, là, ne vous coupez pas du monde, surtout, voilà. Là, ici, ça représente la foule, ça représente le public. Donc, voilà, vous, ne vous enfermez pas dans une tour d'ivoire en l'attendant. Ça veut dire profiter vraiment, voilà, sortez, allez aussi vous promener dans des parcs. Le jardin, pour moi, ça évoque aussi la verdure. Donc, allez vous promener, voilà, prenez du bon temps pour vous. Partez aussi peut-être en week-end, enfin, mais octroyez-vous des moments sympathiques. Et même à deux, enfin voilà, pour l'instant, profitez de ces bons moments tous les deux et ou toute seule de votre côté avec d'autres personnes, hein. Ça peut être aussi avec vos amis, avec un cercle amical qui vous appartient, aussi voilà, de ne pas rester enfermé, de vous ouvrir à la, d'être sociable, de vous ouvrir vraiment. Voilà, si vous avez des invitations à des soirées, des sorties, moi je dis allez-y, allez-y, ne restez pas enfermés à l'attendre. Voilà. De toute façon, le lien existe, le lien est là. Mais profitez de la vie. Alors, soit profitez tous les deux des bons moments pour l'instant, parce que c'est peut-être que ça qu'il a à vous offrir aussi pour l'instant. Mais vous aussi de votre côté. Eh bien, sortez, allez voir le monde, allez vous promener, prenez l'air, prenez un petit peu de... Voilà, allez vous ressourcer dans la nature, faites, je sais pas moi, de la randonnée, peu importe, mais en tous les cas, sortez, prenez l'air, aérez-vous l'esprit, lâchez prise un petit peu, faites-vous du bien, voilà, ne broyez pas du noir, ne restez pas là à broyer du noir. On a la carte, voilà, du chien, de la fidélité, hein. Donc pour moi, c'est vraiment, on a cette notion de fidélité, de loyauté entre vous. Voilà, de toute façon, c'est ce que je vous disais, regardez, c'est comme si en fait, alors soit c'est lui, mais comme si en fait, il était attaché ou vous étiez attaché à cette laisse. Mais pour l'instant, il ne peut pas encore la prendre. Il ne peut pas encore la prendre. Il peut pas encore prendre ce... En tout cas, son cœur vous est fidèle. Son cœur vous est fidèle. Et vous aussi, par conséquent, puisque vous êtes là, tous les deux, ensemble. Oui, il y a vraiment... alors, ça peut être aussi, ben voilà, c'est ce que je disais, de sortir avec des amis, hein, ne pas oublier le cercle amical, l'entourage proche aussi, l'amitié, enfin, voilà, de continuer, vous aussi, de votre côté, ben, à sortir, à profiter des soirées entre amis, des invitations. Mais en tous les cas... Là, quand je le mets comme ça, j'ai vraiment l'impression que le lien, il est magnifique entre vous. Il y a un très beau lien de... Voilà, il est fidèle. Pour moi, il est fidèle. Il y a la fidélité entre vous. Il y a un beau lien de... C'est loyal, c'est...
Voilà, quand vous vous retrouvez, vous êtes content de vous retrouver. Et vous pouvez vraiment profiter des joies ensemble, voilà, des sorties, de vous évader ensemble tous les deux, de profiter des bons moments. Voilà, ici, j'ai la carte de la tour. La tour, voilà, c'est ce que ça m'évoquait tout à l'heure, c'est... alors... Il y a comme un état d'isolement pour vous deux. En fait, lui, il se sent peut-être un petit peu enfermé, à pas trop comment savoir vous montrer ce qu'il ressent vraiment pour vous. Peut-être enfermé aussi dans ses problèmes, un sentiment voilà, d'isolement, qu'il n'a peut-être pas envie de vous embêter avec ça. Et ici, là, j'ai l'impression aussi que c'est vous qui êtes, voilà, à ne pas trop vous enfermer dans votre tour d'ivoire et justement à en sortir. C'est aussi ce qui peut aider la relation à vous élever, à la faire évoluer, de sortir ensemble, de profiter des bons moments comme ça, tous les deux, quand vous êtes ensemble. Parce qu'il y a vraiment un réel lien de... Voilà, il y a la fidélité, il y a la loyauté. Son cœur est pour vous, votre cœur est pour lui, ici. Ouais. C'est ce qui peut. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette tour, c'est quand même quelque chose de. Alors, comment dire? Quelque chose de. Quelque chose de grand qui s'élève. Comme un. Oui, pour moi, c'est ici. Voilà, c'est ce qui peut vous unir pour l'instant, vous élever. Faire évoluer la relation, voilà, c'est de sortir ensemble et c'est de rester fidèle, de fidèle aussi à vous-même. Mais voilà, attention tout de même à ne pas vous enfermer trop non plus dans votre tour d'ivoire, c'est ce que je vous disais, donc aussi de sortir, de profiter des moments, des soirées, des, voilà, des joies, des amis, voilà, de la société en général, voilà, de vous immerger dans cette foule, dans ce voilà, dans toute ce que ce jardin luxuriant a à vous offrir voilà, de tous les plaisirs de la vie, je dirais comme ça, toute cette verdure, toute cette flore, toute cette végétation luxuriante, pour moi, c'est ça, c'est en plus, un sentiment de paix qui s'en dégage. Oui, pour moi, c'est beau. Enfin, quand vous êtes ensemble, vous êtes vraiment pleinement dans l'émerveillement. Je ne sais pas, c'est ce que ça me dit. Une sorte de... En fait, j'ai l'impression que ça, c'est comme si c'était votre petit jardin secret à tous les deux. En fait, c'est votre petit jardin secret. Je sais pas, c'est ce que ça vient me... C'est le message que je reçois, c'est votre petit jardin secret. Je vais retourner l'autre carte. Et on a la carte de la lune qui vient couronner ce message, qui vient terminer ce message. La carte de la lune nous parle ici de vraiment de voilà d'émotion, tout ce qui va se relier au monde de l'émotion, au romantisme, c'est beau. Pour moi, il y a vraiment des beaux sentiments romantiques
de la fidélité, de la loyauté. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous, vous êtes dans l'attente qu'il vous déclare, voilà, qu'il vous déclare son amour, en fait. C'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Mais voilà, il y a de très très beaux sentiments. Quand vous êtes ensemble, c'est vraiment... c'est romantique, c'est doux, c'est... Ouais, je ressens comme une... Et comme si on voulait garder ça. Comme si on voulait garder ça, c'est son petit jardin secret. C'est son... Comme si on voulait garder ça que pour soi, que pour vous. Que pour... Ouais, que pour vous. C'est beau ce tirage. C'est tout plein d'amour et de tendresse, de romantisme, de quiétude, de beauté, de ah là là, c'est vraiment beau ce tirage, j'adore. Waouh. J'ai comme un sentiment de que quand la relation va être reconnue, que lui, là, cet homme, quand il va prendre conscience, quand il va sortir enfin peut-être de sa tour, là, de sa tour d'ivoire, j'ai l'impression que ça va être magnifique entre vous deux. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion, beaucoup de quiétude, beaucoup de sérénité, de tendresse, de lien. Je sais pas. Je... Voilà, des sorties, une élévation, je dirais aussi avec la tour, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va vous élever tous les deux. Mais j'ai l'impression que là, voilà, ici, ce chien avec cette laisse est en train de me dire, regarde, je suis là, je t'offre... Je t'offre cet amour, je t'offre ce lien. Prends-le, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. On a ce chien avec sa laisse qui vous tend sa laisse. Qui tend sa laisse. Voilà, c'est un peu comme si là, je suis là, je t'offre mon amour. Je t'offre tout ce qu'il y a de plus beau à t'offrir. Eh bien, prends-le. Prends-le, voilà. C'est... Voilà, il y a empreint de... C'est empreint de fidélité, de loyauté, d'amour, de... Il y a vraiment un lien magnifique, un lien... Ouais. On a aussi une notion... Voilà, là, c'est une notion de... Alors, peut-être pas d'espoir, mais... La lune, vous voyez, on voit son cycle lunaire. C'est juste que pour l'instant, je pense que c'est pas encore le moment. Mais quand le moment va arriver, ça va être juste magnifique. Vraiment. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est magnifique, je suis encore toute émue, voilà, de ce que je viens de voir. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses à venir. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.